It's contender time, and they are chasing history. Anquetil qui arrache maintenant sa machine. Est-ce que Poulidor se détache ici? For everybody, it's going to be something new tomorrow. I have seen the Puy Dôme, and I know it's very, very steep, the last 4K. Yeah, I think it will be super, super hard, and it will blow again to pieces, probably. Are you ready for round three? Vingegaard attacks. Pogacar is unable to react to Jonas Vingegaard. I couldn't follow because he was just stronger today. I know today he never gives up. And here's the attack. Pogacar rips it now up this mountain. The white jersey has decided, right, yesterday you put me on the ropes. Today I'm going to absolutely blitz it up this mountain. I think there's going to be some gaps probably, and yeah, it's going to be an interesting stage today. Don't leave your screens today. This is a big day. Allô, départ réel donné à 13h41. 13h41. We're underway on stage number 9. 14 coureurs se sont détachés pour l'instant. There's a really hard start. A lot of riders are getting dropped. A couple of riders have been dropped. Pedersen has been dropped. 14 coureurs donc en tête avec l'aval du peloton et malgré quelques contre-attaques, une échappée qui a fière allure et qui va prendre rapidement ses distances avec le peloton. L'écart franchit les 9 minutes et peut permettre à certains protagonistes de croire à la victoire d'étape. Deux courses en une donc, la bagarre pour la gagne au sommet, de l'autre pour le général. Et parmi les favoris pour la victoire, dans l'échappée, Nelson Poles est présent, le porteur du maillot à poids. Mais aussi Michael Wood, le Canadien d'Israël Premier Tech, ou encore Matteo Jorgensen de la Movistar, Gorka Izagirre de la Cofidis, Alexei Lutsenko et David Delacruz d'Astana, et quelques Français. Pierre Latour notamment et Clément Berthet, le mieux classé au général, à plus de 26 minutes du maillot jaune. Du côté des favoris, on va s'expliquer pour le classement général et plus particulièrement Vingegaard et Pogacar qui se marquent mutuellement sur cette dernière étape avant la journée de repos. 47 km an hour. Allez, Jorgensen y va. And there's no direct reaction. He's opened up a gap. 10 secondes, 10 seconds to the front rider. And Jorgensen as a rider, if he gets to the final climb on his own, he'd be absolutely odds on to win the stage. C'est parti pour Jorgensen. Il est déjà dans l'ascension du Puy-de-Dôme puisque l'ascension débute dès la sortie de Clermont-Ferrand. Regardez à quoi ressemble l'ascension du Puy-de-Dôme. Ah, il vaut mieux pas trop lever la tête là. Restez bien concentré sur justement le public qui s'écarte. Le peloton qui a nettement accéléré. Hein. Tout à l'heure, l'avance des échappés était passée à 16 minutes. On est à présent sous les 15. On roule plus vite dans le peloton que ceux qui jouent la gagne devant. Maurich qui s'envole à la poursuite de Matteo Jorgensen, si ce n'est pas trop tard bien sûr. On voit que Nelson Paoles est incapable de changer de rythme. Important breakwater for today and Adam. Et Michael Woods qui va finir très très fort, il vient de déposer Nelson Paoles. Il revient sur Mathieu Burgodo, devant lui il y a encore Matteo Maurich et Matteo Jorgensen. Il finit fort le Canadien. Et c'est raide, hein. Il n'y aura plus de replat maintenant jusqu'à l'arrivée. Ah, ça se joue dans les jambes, mais aussi beaucoup dans la tête. Hein. Et Woods aussi. Woods hein. Qui revient sur Maurich. Woods est pas loin. Il va plus vite, ça se voit la cadence de pédalage. Ouais. Il est Woods mort, Maurich. Maurich attend peut-être. Il va une grosse cassure. Godu, Bardet, distancé. Il y a Simon Yates qui est là. On a Carlos Rodriguez. Et on a Pidcock. Hein. Pidcock. Yates. Ça y est, Woods est rentré sur Maurich. Il va attaquer de suite. Allez, Michael Woods qui accélère. Est-ce que Maurich va pouvoir changer de rythme et prendre la roue du Canadien? Et il va le faire. Il va croquer Matteo Jorgensen dans les derniers mètres. Allez, revenir plus vite jusqu'à son contact. Temporiser un petit peu et changer de rythme pour le laisser sur le carreau. L'attaque de Michael Woods. Ah, il peut Michael plus, Woods Jorgensen, qui s'envole. C'est fait. Michael Woods qui s'envole vers la victoire. C'est fait. C'est la première d'Israël, premier tech. La victoire de Michael Woods. Ah, bravo, bravo. Allez, moins de 100 mètres pour Michael Woods. C'est gagné. Regardez cette image, elle est magnifique. Victoire de Michael Woods au Puy de Dôme. Victoire canadienne pour le retour du Puy de Dôme 35 ans après.
Pierre Latour, il marche très fort. À moins de 30 secondes et les deux premières places pour deux coureurs qui avaient été piégés à 40 km de l'arrivée. Deuxième place pour Pierre Latour au Puy-de-Dôme. Et ça va s'arracher pour faire 3. Hein. Allez, c'est Moric qui fait 3. Troisième place pour Matej Moric. Quatrième place pour Matteo Jorgensen qui n'en pouvait plus dans le dernier kilomètre. Un kilomètre cinq encore avant le sommet. L'attaque de Tadej Pogacar, ça y est. Tadej Pogacar. Vingegaard est costaud. Hein. Pour l'instant, il est costaud. Facilement. Derrière, on ne peut pas y aller. On l'attendait, ce mano à mano entre les deux favoris du Tour de France. Et regardez l'écart. Il redoutait la chaleur aujourd'hui, Tadej Pogacar. Mais pour l'instant, le bras de fer tourne légèrement à son avantage. Tadej Pogacar qui a réussi à sortir de sa roue, Jonas Vingegaard. Est-ce qu'il va enfoncer le clou? Il est en train de creuser légèrement. Ça y est, ça commence à creuser un tout petit peu. Ouais. Alors ce final, ça rappelle un peu au final de Marie-Blanc, hein, là où Vingegaard avait mis Pogacar dans les cordes, il lui avait pris une minute, et là sur un terrain similaire, et bien c'est le Slovène qui prend l'ascendant. On sent que Pogacar progresse d'étape en étape, Vingegaard reste à un excellent niveau. Ils sont à bloc, il va sauver son maillot jaune, mais pour combien de secondes? Attention, le passage sur la ligne de Tadej Pogacar à l'instant et le retard de Jonas Vingegaard qui a bien limité la case dans le final. Il a bien géré. Il a bien géré. À l'arrivée, il ne perd que 7 secondes. 7 secondes de perdu. You're really limited losses. Really, really good. Yeah, it was deafening until I got to about 4K to go. I couldn't hear anything. And then all of a sudden, silence. My ears were still ringing, and I had a lot of time to think, a lot of time to suffer, and just looking up the road and trying to make as much time back on Jorgensen. I'm not getting any younger. I've always talked about winning a stage at the Tour de France, and can't believe I did it. Première victoire pour Michael Woods sur le Tour de France, et quelle victoire pour le Canadien, déjà vainqueur de deux étapes sur la Vuelta par le passé. Aujourd'hui, il reprend dans le final Jorgensen et devant sur la ligne le Français Pierre Latour, piégé comme lui avant la dernière ascension. Au général, la bataille Vingegaard-Pogacar a tourné à l'avantage du Slovène qui reprend 8 secondes au Danois. Derrière eux, Hindley reste 3ème mais recule à 2 minutes 40. On cherche désormais qui sera le 3ème homme de ce Tour de France. Les Français Gaudu et Bardet s'accrochent pour rester dans le top 10. Le maillot vert a fini dans les temps aujourd'hui et a pris un petit point sur le sprint intermédiaire de Vassivière en passant premier derrière l'échappée. Il garde une avance considérable sur la concurrence Cocquart et Pedersen en attendant le réveil de Wout van Aert. Le maillot à poids était observé aujourd'hui. Nelson Paulès était trop juste pour la victoire d'étape, mais l'Américain a tout de même engrangé 10 points au total, avec également une belle 6ème place. Il possède 16 points d'avance sur Félix Gall, l'Autrichien, et 20 sur Tobias Johannessen. Enfin, au classement meilleur jeune, deux coureurs ont fait mieux que Pogacar aujourd'hui et reprennent du temps, c'est Jorgensen et Burgodo. Mais Tadej Pogacar a tout de même repris du temps à ses principaux rivaux, Rodriguez et Pidcock, et domine largement les débats, lui qui est également si proche de Vingegaard pour le classement général.